Voici de quoi vous rafraîchir, mes belles. On va aller ambiancer le coin avant de se rafraîchir, n'est-ce pas, ma copine? Oui, sinon à quoi ça va nous servir de boire même? Tu l'as trouvé où encore ce type-là même, avec sa vilaine coiffure là? C'est un génito. Il a de l'argent à gaspiller, oh. Et puis tu as vu sa Toyota? Oui, Kay. Pour toi, bien, ma copine. Tu as trouvé chauffeur gratuit. Yao, encore une autre. Alors, c'était ta nouvelle gazelle, là? Yao, cette belesse peut me tuer. Tu as vu sa beauté? On dirait soleil de 18h. Il me la faut. Ah, alors, dépêche-toi de la rejoindre, mon frère. Parce qu'on dirait que tu n'es pas le seul lion derrière. Toi, j'adore cette chanson. Hé, ma copine, tu es trop forte en solutionnage rapide. Chut, ce Moussa a de grandes oreilles. Dans mon beau magasin de couture où toutes les grandes femmes d'Abidjan viendront se faire coudre leurs habits. Mais moi aussi. Je passais par là. Hé, Mamadou! Tu as bien fait de t'arrêter alors. Viens boire un escafé. C'est qui encore celui-là? Un petit eau. Bintou l'a dragué hier où ça va chauffer. Mais vous n'étiez pas avec nous, ça? Si, Kay. Mais est-ce que c'est un problème pour Bintou? Bon, si je comprends bien, notre conversation sur notre avenir est terminée alors. Mais non, Aya. On va parler de choses sérieuses maintenant. Alors je m'en vais, j'ai du travail. À plus tard, les filles. À bientôt, hein. Ta matière favorite, le séquage de Tassava. Hé, Toto, tu décales trop bien. On dirait le roi du Zigribiti en personne. Tu dis ça pour me flatter, ma fille. Non, Toto. Si on m'avait dit que j'allais te rencontrer dans un maquis de jeunes, en tout cas, merci de m'inviter à danser. Ma fille, de temps en temps, c'est bien de se frotter à la jeunesse. Ça conserve. Et si tu continues à te tortiller comme ça, tu vas me tuer. Mais vous là, faites attention avec vos grosses fesses. Eh, pardon. Yassette? Kofi? Bintou? Papa? Yassette, qu'est-ce que tu fais sur ma fille? Toi, mon meilleur ami? Mais rien, Kofi. On ne faisait que danser. Tout comme toi, d'ailleurs, avec cette jeune fille qui est sûrement aussi la fille de quelqu'un. Je m'en fous. Tu devrais avoir honte, espèce de cafard. Moi, cafard? Et toi, ta tête plate, on dirait Magouya. Tu m'insultes en plus, tu vas voir. Arrête, Kofi, c'est quoi même? Tu vas la tuer. C'est fini, elle ne sortira plus. Je vais la faire surveiller. Surveiller par qui? Tu n'es jamais là, mais toujours à faire le prodada dans les maquis là. Tue-moi. Alphonsine, ne me provoque pas. Je n'ai pas besoin d'un juge là. Hervé, Hervé. Oui, tonton. Hervé, à partir de ce soir, tu surveilleras Bintou. Tu me diras tout ce qu'elle fait, le jour comme la nuit. Je vais m'enfuir. Tout le temps comme ça, tonton, mais j'ai des choses à faire aussi. Quelles choses? Tu ne fous rien de tes journées. Et puis d'ailleurs, c'est un ordre, espèce de parasite. Ah, si c'est un ordre, Dieu, c'est dû d'habiter chez des gens d'un... Au bord de l'Atlantique, du Papoué quand on atteint Cocody. Coucou. Et... Ah, te voilà enfin. Bonjour Moussa. Bintou, tu étais passé où depuis tout ce temps? J'étais au village chez ma tante Malado. J'ai attendu ton appel fatigué. Je croyais que tu voulais plus me voir. Toi aussi, comment tu peux dire des choses comme ça? Tu me plais trop. Ça ne se voyait pas trop, Dé. Tu doutes de mon amour pour toi, Moussa? Tu me déçois, Dé. Non, mais comme tu ne m'as jamais rien montré aussi... C'est parce que je n'ai jamais eu l'occasion, mais ça va changer. Elle est où ta Toyota? Là-bas, pourquoi? Viens, je vais te montrer mon amour dans ta voiture. Oh, belle Abidjan métropole que... Tu as vu Bintou? Elle fait quoi en ce moment? Elle doit être en pleine négociation pour son avenir.
mariage d'Adjoa et Moussa s'était répandu dans tout le quartier et était entré dans les oreilles de la plus grande palabreuse de Yopougon. Aïe, Bintou élève te parler. J'arrive. Aïe, tu es au courant du mariage d'Adjoa? Tout Yopougon est au courant, Bintou. Aïe, je commence à me demander si tu m'aimes un peu. Tu m'as caché cette trahison. Bintou, Adjoa et toi là, vous n'êtes plus dans les mêmes sciences. Plus maintenant. Comment elle a osé me faire ça à moi, sa sœur? Bintou, l'amour ne prévient pas, oh. Elle n'a pas cherché, tu sais. Eh bien, elle m'a trouvée. Je vais aller la voir et ça va chauffer pour elle. C'est pas une bonne idée, ça, Bintou. Je m'en fous, Aya. On ne va pas chez les gens pour se battre. Attends. J'ai un rendez-vous. Bintou, je croyais que tu devais me soutenir aujourd'hui. Adjoa, quand on dit soutenir quelqu'un là, ça ne veut pas dire le porter toute la journée sur le dos. Hein. Et puis tu ne veux pas m'écouter. Alors, salut la fille. Que tu ressembles à Montréal. Abidjan, tu as le monopole. Comme ton peuple est si loyal. Oh, belle Abidjan métropole. Que tu ressembles à Montréal. Abidjan, tu as le monopole, comme ton peuple est si loyal. Hey, Bintou, la gauche. Hey, John Pololo, mais tu travailles ici? Oui, c'est un parent qui m'a mis sur le coup. Tu viens pourquoi? Je viens voir un ami qui arrive fraîchement de Paris. Ah, pour toi, Chico. Tu l'as trouvé comment? Eh, hey, mon frère, c'est pas tout on dit des... Hôtel est grand haut. La chambre 1610 se trouve où même? Grégoire, tu assures des... Hôtel Vaque est cher, là. T'es plus que star. Entre poupées, c'est rien, ça, comparé à Paris. Je te sers quoi à boire? Du champagne, peut-être? Champagne? Le truc avec des bulles, là, c'est chico. Merci. Hé, Grégoire, regarde comme ton visage brille. Oh, ça, c'est le froid de France, ça, conserve. Alors, raconte, tu connais Barbès? Oui, je ne vis pas loin, précisément à Château Rouge. C'est le quartier le plus chic de Paris. Ah bon? Et tu fais quoi là-bas? Attends, laisse-moi deviner. T'es un PDG, je suis sûre. Oui, de la Sonacotra. Je fais travailler beaucoup de nos frères noirs. Bravo! Tu as plus que percé, tu as déchiré même. J'ai su rester modeste, tu sais. Mais ça se voit. Et sinon, tu es marié là-bas? Marié? Moi? Non, les filles de France ne sont pas sérieuses. Ah bon? Pourquoi elles font ça? Oh, ici, là, on est bien haut et très sérieuses même. Et justement, je suis ici pour trouver la femme de ma vie. Oh, quelle jolie idée, Grégoire. Et toi, Bintou? Es-tu prise? Qui? Moi, Bintou? Je suis libre comme le vent dans le ciel. Taxi! Taxi! Hey! Ils ont quoi même les taxis aujourd'hui là? Il faut le malin des... Taxi! Les filles de Yop City sont belles des... Flamboyantes même, elles vont nous tuer mon gars. Allez, laisse-la moi. Ah, déjà elle, c'était ton tour non? Non mais j'ai une nouvelle technique de drague. Attends, je vais te montrer. Merci. Hey, ma soeur, t'es belle comme un cacao qui sèche au soleil. Et puis tu veux que ça me fasse quoi? Mais rien, la gomme, tu m'enjailles trop. Est-ce qu'on peut pas se draguer? Arrête de m'étouffer là. Vous les gars de Yopougon là, vous êtes trop sauvages. Hey, mais ma belle, pourquoi tu m'insultes? Écoute, moi je n'ai pas affaire aux locaux. Je roule en parisien. Mais c'est bien, tu as une voiture qui vient de Paris. T'es sous ou quoi? Mon gars vient de Paris. Il va m'emmener vivre là-bas. Alors écrase. Taxi! Et roule en parisien. Écraser les gens. T'es dangereux, hein? Tu me plais, hein? T'as un numéro de téléphone ou... Toi là, tu n'as rien à faire, hein?
En tout cas, moi, je n'ai pas ton temps. Eh, hey, mon gars, la prochaine fois, là, oublie le cacao qui sèche. Tu me fais tout oublier, surtout mes problèmes. Je n'ai même pas envie de rentrer. Mais il le faut bien, bébé, ton père. Faut qu'on soit tout le temps ensemble, là. Viens te présenter à lui, tu verras, il va t'adorer. Oui, bébé, chaque chose en son temps. Le plus important, c'est la relation que j'ai avec toi. Ton père vient en deuxième position. D'accord, si tu le dis. À bientôt, mon amour. À demain. Oui? On a perdu. Hey, Bintou, la go qualité, on dit quoi? Yafo et John Pololo, ça va? Un peu seulement, mais on gère. Tu viens pour moi? Ah, toi aussi, je viens voir mon gars. Tu n'es pas au courant? De quoi? Arrête de me faire peur là. Ton parisien est parti hier soir? Quel hier ça? Il est parti où? Mais Bintou, c'est toi sa go, non? Tu ne le sais pas? Mais non! On dirait qu'il y a dral. Il n'est pas comme ça, il doit avoir un problème. Écoute, je n'ai pas travaillé hier, mais j'ai entendu dire que ses parents habitent vers Kumasi. C'est un collègue qui m'a dit ça. Merci! Oh, Aya, Grégoire a disparu. Ton parisien, Aya, il n'est même plus à l'hôtel. Je ne peux même pas le joindre. Calme-toi, il va t'appeler. Ses parents habitent Kumasi. On doit pouvoir le retrouver. Bintou, Kumasi est grand, hein. Peut-être qu'il est retourné à Paris. Sans me dire au revoir, c'est impossible. Bintou, c'est pourtant ce qu'il a fait. Aya, si tu ne peux pas m'arranger là, faut pas me déranger avec tes hypothèses. Bonjour, Tanti. On cherche un parisien. Il s'appelle Grégoire. Ma fille, je ne le connais pas des... Merci, Tanti. Bonjour, Tonton. On cherche un parisien. Il a ses parents qui habitent le quartier. Ma fille, moi, je ne connais que des locaux. Merci, Tonton. Et Aya, c'est comme chercher une machette dans un champ de manioc. Viens. Salut, les frères. On cherche un parisien. Grégoire. C'est un blanc. Non, un noir. Il a ses parents qui habitent par ici. Ça ne fait pas longtemps qu'il est là, alors. Parce que nous, on connaît toutes les sciences du quartier et pourtant, on n'a jamais entendu parler d'un Grégoire parisien des... Un parisien? Comme moi, je suis au pays de rêve du Canada. Je ne m'intéresse pas aux parisiens des... Oui, oui, Paris. Je m'en souviens très bien. J'étais en 1950. Un parisien? Oui, il est là. Je passais vers les maisons qui sont là-bas, là. Et j'ai entendu une dame qui faisait palabre avec un parisien haut. Hé, aïe, on touche au but. Bintou, il y a plusieurs maisons. Comment on va faire pour trouver celle de Grégoire? On va les faire toutes, Aya. Mais bien sûr. Hé, les habits là-bas. Les affaires qui sèchent, on dirait celles de Grégoire. Ah bon? Si, c'est lui. Regarde, Grégoire, mon chéri. Hé, Grégoire, je croyais t'avoir perdu. Hé, Bintou, comment as-tu fait pour me retrouver? Grégoire, mais hé, l'hôtel Ivoire. Tu sais, je suis partie de là-bas parce que ma mère me voulait à ses côtés. Oh, la pauvre, mais c'est normal. Oui, j'ai compris que je ne l'aidais pas en vivant dans le luxe et elle ici, dans cette modeste maison. C'est tout en ton honneur, mais pourquoi tu ne m'as pas appelée? Mais je m'apprêtais à le faire. Il fallait tout organiser, mon départ de l'hôtel, mon arrivée ici, appeler mon personnel à Paris. Mon chéri, l'essentiel c'est qu'on soit ensemble de nouveau. Bintou, il faut qu'on parte, il se fait tard. Mon chéri, on doit rentrer. On a passé toute la journée à te chercher. Mais maintenant que je sais où tu es, je suis soulagée. Bintou! Je ne comprends pas pourquoi ses habits sales séchaient au soleil. Il veut les aérer. Il n'a plus la clim, le pauvre. Les filles d'Abidjan s'en fondaient. Et attention, ici on les appelle les go infrarouges. Même si tu t'enterres là, elles vont te trouver des... David! David, je n'aurai jamais assez d'argent pour sortir tous ces go. Ah, mon ami, c'est ta faute, là. Fallait pas faire le pharo à l'hôtel Ivoire. Tu ne serais pas obligé aujourd'hui de vendre tes habits.